Cette exposition, c'est avant tout une exposition de peinture et de quelques fixés sous verre. Quand j'ai envie de travailler sur des toiles, je me replonge un petit peu dans tous les croquis, les images, les aquarelles que j'ai pu rapporter de mes voyages. Ça m'apparaît comme ça, en feuilletant, je vois une image, je me dis ça peut donner une peinture, parce que ça peut être quelque chose que je vais pouvoir épurer, où les couleurs vont avoir de l'importance. Je suis très influencé par des choses très contraires. C'est-à-dire que dans la peinture, je suis influencé par des tas de peintres solaires comme Gauguin, Hockney, Matisse, et en même temps par beaucoup de peintres allemands de l'avant-guerre, les Beckmann, les Gross, tout ça. Et pour les paysages, c'est la même chose. Ça peut être à la fois des destinations très exotiques et des destinations beaucoup plus rudes, comme l'Islande ou la Terre de Feu, qui sont des voyages que j'ai fait récemment et qui m'ont beaucoup marqué. C'est vrai que c'est très souvent des paysages marins, parce qu'il y a beaucoup d'espace, d'horizon. Il y a une sauvagerie comme ça dans le paysage marin à laquelle je suis assez sensible. Quand je regarde un paysage et qu'en plus il y a un animal qui traverse le champ, un animal sauvage, c'est un vrai cadeau. Et du coup, dans mes peintures, ils sont toujours hors proportion, comme si on les voyait de plus près. Et ils donnent une petite touche habitée. Les fixés sous verre, c'est une technique que j'adore utiliser. Ça, c'est un peu la rencontre avec tous les artistes, avec l'art populaire en Afrique de l'Ouest, hein, beaucoup au Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça. J'en ai beaucoup vu. Cette technique consiste à d'abord faire le trait noir et après mettre des couleurs en aplat, de manière assez libre. Et après, la grande récompense, c'est quand tout est sec et qu'on retourne la plaque et qu'on voit le résultat final qui est toujours extrêmement brillant, net. Et on peut utiliser des effets de matière avec le noir, des effets de calligraphie presque. Donc là, j'aime bien, il y a 6 grands portraits de la taille, des 40-50, de la taille réelle finalement.